Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant Xelor Orotrepea, Yopter Enirips à feu contre Ugina Kekaflip au Samodas et pour l'instant on n'a pas de cote. Alors je regarde un peu les effets. En face on a Tacheté Pritek. Triple Pritek et Tacheté sur Ossa. Ok. L'Ossa joue en premier. Alors je sais pas pourquoi j'ai pas le son. Ça, c'est en train de me rendre fou déjà. Ok. Bon, bah on va jouer sans son, c'est super. Il met son jeu en place, il booste. Oh, il avance comme ça, il n'a pas peur par contre. Il a vraiment pas peur, notre ami là. Bon, bah écoutez. On va respecter, hein. On va go des synchros. Est-ce que je stack pétrif ou pas? En vrai, non, je pense que je vais venir rouage. Sablier. Ralentissement. On cale l'ébène. Je vais rester là. J'ai pas trop compris pourquoi il a avancé à ce point. Parce que là, je vais lui mettre une sauce. Hein. Le Yop a de quoi le toucher au cac en plus. Bon, ok, il y va sur mon Xel. Ouais, Syrod, Gangrène, Molosse. Un Ugi Terre qui a l'air assez violent quand même. Mais là, moi, je me fais plaisir sur son Ossa en fait. Hein. Est-ce que j'ai besoin. Vas-y, c'est de l'éca feu, mais. Je pense que je vais quand même. Je vais mettre juste un coup d'héros. Double coup de cac. Et une petite fureur. Alors j'ai zéro crit malheureusement. C'est un peu triste. Je lui ai mis un coup d'héros du coup. Je vais pas chercher à jouer full héros. Mais j'aurais bien voulu un peu plus de crit quand même. Ouais, il va quand même bien le soigner. Ah, j'aurais peut-être dû mettre deux coups d'héros quand même. Parce que là mon Xayah il est déjà quasi. Il est très low life. Bon, on va voir ce qu'on fait. Je pense que je vais le debuff. Enfin, quoique. Non, je vais pas le debuff en vrai. On va y aller comme ça. Comme ça. Il faut que je me garde 2 PA, 1 PA. En vrai de vrai. Vas-y, je vais go comme ça. Tech. Et un petit boost sur le Yop. On va venir soigner. Bon, il va vite se retrouver full PV, hein, le Xel. En termes de. Bon, il y a pas mal d'esquives qui ont été mises en face. On va voir ce qu'on peut faire à l'Ossa. Mon Xel a pris pas mal de dégâts pour l'instant, mais bon. Je peux me barrer. À la limite, c'est à mon avis mon Yop qui est le plus gros danger pour eux, donc le Xel, ça devrait aller. Crapaud, ponction. Alors juste avant j'ai fait mes équipements rapides. C'est quoi les dégâts que je prends? Ça me fait hyper mal. Il y a beaucoup plus de soins que ce que j'aurais pensé en face par contre. On va y aller comme ça. Vraiment je suis taclé par sa merde là, c'est ma vie ça? Ça par contre c'est très sad ça. Putain mais sérieux. Bah ça me nique tout mon fou. Ça me nique complètement mon tour en fait. Putain mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. D'où je suis taclé par son crapaud qui rentre deux tacles. C'est n'importe quoi, j'ai combien de fuites? 77 évidemment. Bah oui j'ai pas mon famille. Et du coup j'ai mal placé le cadran. Le Yop qui a pas le boost. Bah je c'est terminé. C'est un peu triste quand même ce qui se passe là. Bon, on va en profiter pour tester un peu des trucs. Tac.
On va go comme ça. Fureur. Précis. Évidemment, ça ne passe pas. AQ, je pense que je mets. Oh, je tape plus fort à la pression qu'à l'AQ quand c'est pas chargé, tiens. Ça, c'est intéressant à noter. Je continue un peu à découvrir mon mode, mais je trouve, je suis un peu surpris pour le coup. Ok, bah GG à eux. Je sais pas pourquoi j'ai pas de son non plus, je viens de relancer le jeu, j'ai vidé le cache. C'est le compte lead, le Xel. C'est en train de me trigger là. Bon. C'est pas bien grave. Le crapaud qui me taclait, je vous avoue que je l'avais pas vu venir. Vraiment, il meurt pas son bordel là. Vas-y, on va go corrompu. Double dérou. Pourquoi j'ai fait aussi peu de dégâts au corrompu? J'en sais rien. Très bizarre. T'as enlevé le son parce que ça te saoulait pendant la déco pour info. Mais écoute, merci de m'apprendre ma vie, mais j'ai absolument jamais fait ça, donc c'est vraiment bizarre. Tu mettrais un bouclier d'Illy sur mon Xel, toi. Ça a le mérite d'être original. Pourquoi il est encore en vie, mon Xel, alors? The fuck? Ma pétrif, elle est à 4. Mais pourquoi tout le monde me tacle en fait? C'est terrible ça. Je sais pas, je dois être une victime aujourd'hui. Sérieux quoi? J'ai que 77 de fuite d'ailleurs, je devrais avoir plus en vrai. Il doit me manquer de la fuite quelque part. L'ordre d'orthographe il est père fuite. Il me manque un peu de stat R en vrai, mais. Très bizarre. Forcément. Après, il a pris un petit ébène haut. Oh, je vais y arriver. Il a pris un petit ébène haut quand même, le ça, mais bon. Pas sûr que ça fasse le job. Mais moi du coup j'ai passé le tour avec le lapin, j'étais en mode bah vas-y on joue pas tu vois, je pensais pas qu'on allait je pensais pas qu'ils allaient vraiment continuer le combat comme ça, moi j'étais en mode je suicide, mais je sais pas, ça fait 3 tours que mon Xal meurt pas, donc je sais pas ce qu'ils sont foutus. Donc du coup bah go jouer, mais il est sérieux, il a que ça à faire. Bon. Tac. Ah oui mais. Ok. Bon, c'est terrible, hein, moi. Y a rien qui va. Depuis tout à l'heure, en fait, je joue en mode le combat est fini, mais je sais pas, ils ont pas fini en fait. Donc on va la jouer, mais si j'avais su, j'aurais été un peu plus focus.
truc, c'est que je vais pas mettre sur YouTube une vidéo où il n'y a pas de son en fait, donc à partir de là, le colis, je suis en mode bon, mais je comprends pas pourquoi le son s'enlève sans raison. C'est assez déconcertant quand même. Bon, je pense que je vais y aller sur les cas. J'ai perdu mes stacks fureurs, par contre, ça c'est assez terrible. Les dégâts que me met logis, c'est quelque chose par contre. Hein. Après, en vrai. Je vais go anti. Je crine jamais, c'est terrible. J'ai encore un perso qui est déco. Ah là, il y a un gros problème par contre. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On va jamais pouvoir colis comme ça en fait. Hein. Attends, il y avait une roulette crit en plus, mais attends, mais il y a un gros problème là par contre. Pourquoi je crit pas? Quelle est cette douille? Ouais, je vais y aller. Tac, tac, tac. Tac. Évidemment, le lapin qui a pas la range de faire quoi que ce soit. Ce serait triste sinon. Ok, ce que je peux préparer, c'est un gros all-in pour le tour prochain. Avec une fureur boostée deux fois. La logis va me détruire. Par contre, le mode de logis est sacrément violent. Hein. Je trouve que c'est assez balèze en vrai. Vol de vie, se met du tankiness. Franchement, c'est très très impressionnant, je trouve. Je vais me Vita. Je vais me puissance. Et je pense que je vais lui mettre une fureur. Après, je pourrais aussi faire une maîtrise, mais vas-y, fureur, c'est pas mal en vrai. Je vais rester là, du coup. En vrai, là, les cas, il a pas trop la ligne de vue sur moi, sauf s'il s'approche. Et s'il s'approche, je lui mets un all-in après. Vas-y, on va passer là-dessus. Bon, c'est bon, j'ai compris qu'il voulait m'éroder, je pense que je suis érodé là, les amis, ça va aller. Par contre, jamais je vais survivre assez longtemps pour faire quoi que ce soit. Là, le but, ça va surtout être que le Yop survive. On va y aller comme ça. Comme ça. Petit mode frayeur. Et un petit sélectif comme ça. En vrai de vrai, si... Qu'est-ce qui se passe avec mes PA? Ah, il m'a au dos! C'est bien vu ça par contre. Bah, GG à lui. Bah, ça va m'empêcher de le kill, je pense. Par contre, il y a vraiment un problème avec les dégâts que je prends. Ça, c'est assez triste. Vas-y pour le beau jeu. Je pense qu'il prend une bonne fureur quand même. Tac. On passe le kill. Et du coup, je peux remettre. Façon logique, je lui ferai jamais rien, faut être réaliste. Hein.
Je vais les roder, mais je lui mettrai jamais de dégâts en fait, c'est impossible. On va y aller comme ça. J'ai un bon soin, hein, mais ça suffira jamais. On va booster le Yop en puissance au taquet. Par contre, les dégâts de mon Yop, ça met. Ça fait des trucs quand même, hein. Du coup, ça me permet de passer des kills là, dans des situations où je penserais jamais passer un kill, quoi. Et là, en vrai, s'il me tue pas, mais là, je pense qu'il me tue en vrai 12 PA. Ah, il me remet de l'érosion. J'aurais plutôt mis un all-in à sa place. Niveau vita, je suis comment? 3 tours. En vrai, je pense que je vais soit essayer de le all-in. Là, j'ai ma fureur. Mais attends, mais en vrai, je vais gagner. What the fuck? Je me serais jamais vu gagner ça. Je le tourne pas là, on est d'accord. Je pense que je vais lui remettre un coup d'héros. Non, je vais y aller comme ça plutôt. Fureur. Double inti. Vita. Mais je pensais jamais pouvoir temporiser jusque-là en fait. Je suis un peu surpris. Je vais venir mettre un petit coup comme ça. Bon, il tank comme un fou, hein. Ça c'est clair et net. On va y aller comme ça, comme ça. On va casser l'ivoire. Le Yop est toujours boost en puissance. Ouais. C'est soin x 75%. Ok. De toute façon, je repasse full PV. Et là, je vais pouvoir lâcher une grosse précis. Il a 1700 PV. Alors moi, est-ce que je perds une... Je crois que je perds une vita à mon tour. Non, c'est j'ai encore un tour, il a pas de debuff, bah j'ai gagné. Je pensais jamais, jamais, jamais gagner ce colis. C'est un truc de fou. Bah là, je le tombe, je pense, hein. Impressionnant le mode de logis. Impressionnant le mode de logis. Depuis tout à l'heure, en fait, je suis en mode vas-y, je lis le chat, je regarde mes trucs par-ci par-là parce que j'aurais jamais pensé gagner. Et il y a un moment, j'ai même arrêté de jouer le combat. Enfin, j'ai passé le tour avec le lapin. J'étais en mode bon, vas-y, go next. Je regardais vos messages et je sais pas, j'ai réussi à win. Ça n'a aucun sens. Mon Yop a mis beaucoup trop de dégâts en fait. C'est un truc de fou. Je suis même bluffé. Par contre, le mode de son logis, c'est une dinguerie. Hein. Je crois qu'il va falloir que je teste le JTR parce que ça m'a l'air d'être assez strong. Bon, du coup, voilà, sur le plan technique, c'était un peu compliqué là. Mais bon, voilà, tant pis, je vais relancer le jeu en espérant avoir le son. Je suis déco pendant le combat et tout. Bon, bref. On commence, du coup, on a enfin notre cote. On est à 4464. En vrai, c'est pas mal pour. Jusque-là, j'avais pas de cote attribuée. Là, je viens juste d'être classé. Je crois que c'est 15 combats de placement. Je me demande, est-ce que j'ai fait 15 wins? Non, je crois que j'ai dû avoir une défaite. Je crois que j'ai fait 14 wins, une défaite. Bon, on commence à 4464, en vrai c'est plus qu'honorable. On va commencer. Là je suis encore en train de me réapproprier les choses et puis on fera un rush ladder après, mais bon le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de ladder pour l'instant donc c'est compliqué. Bon bref, bah, je pense que je mettrai quand même le combat sur YouTube parce qu'il était très intéressant au final. Je suis un peu désolé pour la forme qui est un peu bah, pas terrible là, mais c'est pas tellement ma faute. En fait, si on n'a pas le son du jeu quand on l'active et si on est déco pendant le combat, bon bah désolé. C'est pas ma faute. Mais le combat était stylé et vraiment je suis le premier surpris d'avoir gagné ça, je pensais vraiment pas win. Il y a un moment voilà, j'étais en train de passer mon tour, je regardais autre chose, mais bah écoutez, voilà. Étonnant. Écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch ou sur Twitter, vous avez les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.